Chers frères, il y a un axiome thomiste qui nous dit « Agens agit propter finem », l'agent agit toujours en vue d'une fin. Cela veut dire que, chers frères, nous avons toujours besoin d'une finalité et que notre vie dépend un peu de cette finalité que nous avons dans notre intention. Qu'est-ce que nous voulons faire de notre vie? Et si nous n'avons pas une finalité très heureuse, eh bien notre vie sera un peu morne. Et c'est un peu une difficulté pour les chrétiens de ne pas suffisamment désirer le ciel. La foi, c'est aussi l'espérance des biens à venir, nous rappelle saint Paul. Et cette vertu d'espérance est absolument essentielle, de savoir que nous sommes faits pour la gloire du ciel et que notre finalité, c'est de contempler Dieu, de le voir tel qu'il est, nous rappelle l'épître de saint Jean. Vous le savez bien comment, dans notre vie, quand il y a l'espoir d'une joie, d'un bonheur, cela nous donne une force incroyable. Mais quand cette finalité est d'ordre infini, nous avons peut-être du mal à réaliser. C'est pour ça que dans la prédication, eh bien cela ne revient peut-être pas suffisamment, cette espérance de la gloire du ciel, et que nous avons besoin, chers frères, dans notre prière, dans notre méditation, dans notre vie par des retraites, et j'y reviendrai, de prendre du temps pour réaliser que nous sommes faits pour la gloire de Dieu. Parce que c'est un véritable combat qui s'engage sur terre entre ce qui nous attire vers le bas, une concupiscence qui nous attire vers le bas, et même sous terre, et puis une élévation vers la gloire du ciel, un désir de voir Dieu tel qu'il est, pour devenir comme lui, semblable à lui. Notre finalité, c'est d'être dans la gloire et de participer à sa propre gloire. Oui, en le contemplant, nous deviendrons comme lui, tel qu'il est. Voilà quelle est la bonne nouvelle de l'Évangile. C'est que nous sommes appelés à voir Dieu, à voir la gloire de Dieu. Il y avait bien quelques éléments dans l'Ancien Testament qui pouvaient le laisser prévoir, mais c'était trop flou. La grande révélation de cette nouvelle alliance, c'est évidemment que tout ce combat que nous vivons sur terre, c'est pour aimer, mais aimer infiniment, pour être divinisé, voir Dieu tel qu'il est, être dans une communion profonde avec lui. La divinisation des justes, la glorification des justes est un thème fondamental de notre foi catholique. C'est une joie absolument incroyable et aujourd'hui, on n'entend plus parler. Oui, nous sommes appelés à voir Dieu tel qu'il est, être transformé dans sa gloire. Le paradis ne sera pas un club Med 4 étoiles. La béatitude, vous comprenez, n'est pas une simple réunion de joyeux compères. Il s'agit d'une dimension infinie et éternelle. Il s'agit d'être divinisé. Tous les bonheurs de la terre ne valent pas le bonheur d'une seule âme. C'est pour ça qu'il y a comme un rideau qui est comme le rideau du temple, qui fait qu'on a du mal à réaliser cette gloire de Dieu. C'est une autre dimension. Alors, pourriez-nous dire, oui, mais nous n'avons pas beaucoup qui sont revenus. D'abord, ce n'est pas tout à fait juste, car plusieurs sont venus témoigner, ont vu le ciel et sont venus témoigner de la gloire du ciel en 2000 ans de christianisme. Plusieurs saints, des enfants, il y a eu des revenants, oui, mais des revenants, non pas pour terroriser, mais des revenants, des témoins de la lumière, il y en a eu tout au long de l'histoire de l'Église. Mais nous ne croyons pas à cause des revenants. Nous croyons à cause de la parole de Jésus. Et c'est vrai que, comme c'est une autre dimension, et ça nous paraît tellement loin, car nous ne voyons que la mort et la décomposition d'un cadavre, et d'une simple disparition, et l'absence des êtres qui nous sont chers, que d'arriver à réaliser qu'il y a ce bonheur infini, que la vraie vie est là, et que dès notre conception, depuis la conception, nous sommes faits pour cette gloire du ciel. Notre destinée, notre finalité, il n'y a qu'une seule finalité possible pour l'homme, qu'une seule finalité que Dieu veut, qui est la gloire de Dieu, ou hélas, pour certains peut-être, le refus volontaire de cette gloire de Dieu. Mais notre finalité, c'est de le voir tel qu'il est. Ainsi, cela doit être toute notre joie de savoir que cela puisse se réaliser et de savoir que, dès la conception, nous sommes faits pour cette dimension infinie. Alors,
pour mener ce combat intérieur de la joie, de cette présence de Dieu, de cette béatitude, de cette autre dimension, eh bien, oui, il faut la foi. Le Seigneur nous invite à ne pas avoir peut-être une vision continuelle de cette gloire de Dieu, même si quelques saints ont commencé à l'entrevoir, et je vous le disais, à travers ces phénomènes, eh bien, comme je le disais aux enfants, à travers ces phénomènes de lévitation, ou ces phénomènes d'extase pour d'autres saints, comme Sainte Thérèse d'Avila, comme certains saints, qui Sainte Marie-Madeleine de Pazzi, qui, en allant à la communion, était complètement transfigurée. Alors, il y avait phénomène de transfigurée, transverbération, il y a différents thèmes mystiques pour dire qu'ils sont complètement touchés dans leur cœur et dans tout leur être, qu'ils sont comme des êtres de lumière à certains moments, rayonnants de lumière, et déjà dans cette anticipation de la gloire de Dieu. Alors oui, il y a tous ces phénomènes qui nous aident à croire, mais nous croyons parce que Jésus nous l'a annoncé, parce que la parole de Dieu nous l'a dit, parce que l'Église nous enseigne dans son infaillibilité et à travers tous les documents du magistère tout au long de l'histoire, que nous avons une âme, une vie éternelle et que nous sommes faits pour voir Dieu, le contempler dans la gloire de Dieu. Le contempler et être ainsi transformé dans cette gloire. 2000 ans de christianisme pour nous affirmer cette vérité et c'est cela qui nous est demandé, de croire sans voir. Oui, nous n'avons pas la vue derrière ce voile, mais justement, c'est là où nous nous préparons à ce mystère de gloire et cette grande vertu de la foi et de l'espérance font que nous ne sommes pas dans la vision et que c'est là, dans le mystère de ce mérite et de la liberté humaine, que nous pouvons grandir dans cet amour de Dieu. Car la foi, en croyant sans voir, implique déjà un amour et un combat spirituel. Les trois vertus sont tellement liées, mais ça se réalise tellement pour le ciel, pour ce désir du ciel. Parce que ce désir du ciel, ce n'est pas de vivre un bien-être, de devenir un yogi, d'être dans une espèce de position zen pendant l'éternité. Ça va être très pénible sinon. Non. Il s'agit avant tout d'être dans une communion d'amour profonde. Et donc, nous souhaitons, non pas pour les plaisirs du corps, cette gloire du ciel, comme aimait le dire Kant, et comme dans sa morale du devoir d'être uniquement fondé, vous voyez, sur la conscience et le devoir, une morale qui n'a pas d'amour, voilà ce que nous a amené, évidemment, cette morale rationaliste. Eh bien non, notre éthique chrétienne se fonde justement sur un désir d'aimer. Et que ça ne diminue pas l'acte moral, mais qu'au contraire, de savoir eh bien, que nous aurons la gloire du ciel, que nous sommes amenés à aimer notre prochain parce que nous savons qu'il a aussi une dimension éternelle, parce que nous le retrouverons dans la gloire de Dieu. Ce n'est pas une dimension intéressée et jouissive personnelle, il s'agit d'être avant tout dans ce qui fait l'histoire de l'homme et le cœur de l'homme, c'est-à-dire aimer Dieu, aimer l'infini, vivre de l'infini. Le désir du ciel nous sortira de notre égoïsme. Fabrice Adja, j'aime bien le rappeler, dit si nous ne prêchons pas cette gloire du corps, alors ça sera le péché de chair et la chair entraînera vers la mort. Justement, la véritable espérance qui nous permet de sortir de l'égoïsme et d'une obsession de la chair, c'est justement la contemplation d'une chair glorifiée, d'une chair qui sera dans cette gloire de Dieu, qui est appelée à vivre éternellement de Dieu. Nous serons comblés de l'infini. Chers frères, nous avons besoin, alors, pour véritablement désirer ce ciel, désirer cette contemplation et transformer dans cette gloire de Dieu, eh bien, de le méditer tous les jours. De le méditer tous les jours, à chaque moment d'oraison, car j'espère que vous arrivez à faire oraison tous les jours, quelques minutes de se mettre dans la présence de Dieu, eh bien, pensons à notre mort. Non pas pour rester dans une réalité justement triste ou morbide, mais parce que c'est notre voyage, et c'est la possibilité de lever ce voile. Vous le savez, le Christ, nous rappelle saint Paul, eh bien, a passé ce voile du temple. Ce voile du temple qui séparait du Saint des Saints. Et le grand prêtre ne pouvait le faire qu'une fois par an. Mais le véritable prêtre, nous dit saint Paul dans l'Épître aux Hébreux, c'est Jésus, il a fait une fois pour toutes, et il est rentré dans ce Saint des Saints. Et le voile, c'était son propre corps. C'est-à-dire que Jésus, en mourant sur la croix, en acceptant par un acte d'amour d'être séparé à mes corps, d'être séparé
de ce corps a accepté véritablement de nous faire rentrer dans le Saint des Saints, c'est-à-dire le paradis, la gloire de Dieu. Le grand prêtre, c'est Jésus. Son propre corps a été meurtri, il a connu la mort, pour que nous-mêmes, nous puissions traverser et rentrer dans ce Saint des Saints. Notre propre vie est comme le temple, avec tout le mystère de l'Église, comme nous le rappelait aujourd'hui l'Écriture. C'est un peuple d'exode qui avance vers la gloire du ciel, et nous devons rester unis parce que c'est le corps de Jésus. Nous devons passer par ce corps, cet unique corps qu'est le mystère de l'Église. Nous allons passer par ce corps qui connaît cet exode et cette souffrance, et pour rentrer dans cette gloire du ciel. Le Christ nous introduit dans le Saint des Saints, où le grand prêtre voyait Dieu, parlait à Dieu, où Moïse voyait Dieu et avait un visage transfiguré et la lumière resplendissait sur son visage. Eh bien, nous pouvons le vivre, chacun d'entre nous. Nous pouvons vivre cet avancement, ce cheminement vers le Saint des Saints, vers la gloire du ciel. Et ça commence maintenant. Maintenant, nous pouvons déjà vivre dans cette communion avec Dieu et dans ce désir de la gloire du ciel, déjà de grandes grâces et des grandes joies intérieures. Mais posséder Dieu depuis notre baptême, c'est déjà rentrer dans la béatitude, c'est déjà la vraie vie. Alors, chers frères, pour rentrer dans ce Saint des Saints, pour rentrer dans cette gloire du ciel avec le mystère du Christ, nous avons besoin d'être dans la contemplation. Contemplation est désirer le ciel tous les jours. Tous les jours, pensez à votre mort. Et tous les jours, prenez quelques minutes pour penser à ce désir de voir Dieu. Ayez ce désir pour ceux que vous rencontrez. Et dès que l'on évoque un mort autour de vous, dites un « Je vous salue Marie ». Ayez ce désir que le maximum de personnes puissent être dans la gloire de Dieu. Que le nombre d'âmes soit immense. Ce peuple indénombrable dont parle l'Apocalypse, et d'avoir ce désir véritablement que tous ceux que nous rencontrons, que nous voyons, puissent contempler la gloire de Dieu. Et ainsi nous pourrons le voir tel qu'il est, nous serons transformés dans la gloire, dans une joie éternelle. Amen. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il.